nous sommes Ali and the Gators, donc Ali c'est moi et les Gators qui sont là. Sylvain à la contrebasse et puis Olivier à la guitare. Donc on a une formation originale de rockabilly acoustique. Donc, c'est de la musique années 50, de la musique vintage, comme disent les jeunes. Hein. D'accord. Voilà, donc c'est une formation, comme je disais, originale acoustique, puisqu'en général, c'est un style de musique qui se pratique uniquement en électrique. If you know you cannot take it, oh well, baby, I wanna try to give it. If you know you cannot take it, oh well, baby, I wanna try to give it. For all as I am, for no one-sided love affair. Moi, déjà en premier temps, je connais Olivier déjà depuis très longtemps parce qu'on a un autre groupe en commun qui s'appelle Sixties, qui est un groupe électrique de reprise rock 70s. Et Sylvain, je l'ai connu il y a 3 ans maintenant, dans ma première formation acoustique de rockabilly également. Cette formation s'est arrêtée en fin d'année 2013. Et du coup, on a continué avec Sylvain en début d'année 2014 et puis Olivier nous a rejoint par la suite. Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up. We both been sound asleep. Wake up, little Susie, and whip. The movie's over, it's 4 o'clock, and when the trouble's deep, wake up, little Susie, wake up, little Susie. Well, what they gonna tell your mama? What they gonna tell your pa? What they gonna tell your friends when they say, ooh la la, wake up, little Susie, wake up, little Susie. Influence du groupe, bah, c'est vraiment tout ce qui est Imelda May, Vanda Jackson, Janis Martin, Johnny Cash aussi, oui, enfin beaucoup d'artistes de l'époque en fait, enfin énormément. Well, what they gonna tell your mama? What they gonna tell your pa? What they gonna tell your friends when they say, ooh la la, wake up, little Susie, wake up, little Susie.